Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale par rapport au matériel pour filmer. Donc pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que tout simplement que c'est vrai que j'aurais bien aimé tomber sur cette vidéo là. Parce que moi je suis étudiant, donc j'ai pas de salaire. Et pour pouvoir faire des vidéos comme je veux faire, il faut ce matériel là. Tout simplement. Donc, alors bien sûr ce que je vais vous montrer c'est un plus. Vous pouvez très bien commencer sur YouTube ou même être sur YouTube sans tout ça. C'est juste un plus pour pouvoir faire des choses beaucoup mieux. Voilà, comme j'ai dit, c'est un petit truc en plus qui fait le truc de plus. Donc qui fait que... Enfin bref, vous avez compris. Qui fait que bah, les gens vont beaucoup plus apprécier. Voilà. Alors, je vous explique. Ça, c'est la base de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, ça, dans le commerce, ça tourne autour des... Je sais plus, c'est 200, 400, même ça peut aller plus haut. Alors, je vous explique, c'est un support pour le stabilisateur. On va en parler après, vous allez voir. Donc, moi, j'ai créé ça avec des tuyaux PVC. Donc vraiment comme ça, on dirait que c'est un truc. Mais vraiment j'ai écrit ça avec un tuyau PVC. Vous voyez? PVC, c'est ce qui nous sert à faire aujourd'hui l'évacuation des eaux usées. Ouais bah les chiottes en gros. Alors en fait d'abord, pour commencer, à quoi ça sert? Je vais vous mettre des images à quoi ça sert. Enfin un truc pro. C'est pour mettre ici votre stabilisateur. Donc pourquoi avoir ça? Et pourquoi pas mettre les accessoires directement sur la caméra? Par exemple un flash ou le micro. Parce que le stabilisateur en mouvement peut toucher le micro ou bien le flash. Donc ça c'est la base comme je vous ai dit. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous explique comment on le réalise. Parce que je vais pas vous mettre dans cette vidéo, c'est un peu long. Donc voilà, dites-moi, je vous ferai une vidéo comme ça, comment le réaliser, vraiment pas cher. Vraiment ça, ce matériel là, je pense que ça vous coûtera, en comptant la colle et les tuyaux PVC, je pense que ça vous coûtera environ 15-20 euros grand maximum. Donc ça on le met de côté, je vous explique la suite. Donc, comme je vous avais dit, il y a le micro. D'accord? Donc le micro, hop, vous pouvez très bien le mettre ici. Voilà. Donc bien sûr, vous allez me dire, ouais mais ça fait un peu loin. Justement, à cet emplacement, regardez. Hop, c'est un truc que vous pouvez dévisser, comme ça tu peux baisser, c'est vraiment super pratique. Donc là, il y a le truc pour mettre le micro, et juste au-dessus, il y a un trou. Et je fais passer un fil, tout à l'intérieur. Et là, vous retrouvez le deuxième trou, pour brancher directement à votre caméra, donc un câble jack. Donc vraiment j'ai pensé à tout, c'est super pratique, c'est super bien. Donc là ici vous aurez votre micro. Ou alors vous pouvez très bien mettre un flash. Donc là le flash je l'ai ici. Je vous montrerai à la fin bien sûr ce que ça donne. Donc c'est vraiment génial. Donc si vous voulez faire une vidéo filmée avec ça, le rendu que ça donne, il y aura un flash et le retour caméra comme je l'ai expliqué, avec le stabilisateur au milieu et ma caméra bien sûr, c'est logique. J'ai fait ma vidéo pour mon programme, la promo de mon programme, donc vous pouvez aller la voir, cliquez en haut à droite. Voilà, moi je trouve que ça rend super bien, ça n'a rien à voir avec juste le stabilisateur. Donc c'est parti, je vais le monter comme si j'allais en tournage. Donc ici, soit vous mettez le micro, ou soit vous mettez un retour caméra, qu'on va voir tout de suite après. Ici, vous mettez votre flash. Donc là, je vais éteindre mon flash, désolé, du coup la qualité est dégueulasse. Juste pour vous montrer, donc ici vous allez mettre le flash. Tac. Voilà. Ici, vous allez mettre le flash. Ici, à cet endroit, j'ai rajouté voilà, un petit truc que j'avais trouvé sur un autre accessoire. Donc, je l'ai vissé ici. Et du coup, ça permet une rotation du flash. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus pratique. Si par exemple, je veux filmer quelque chose d'en bas, hop, je mets le flash par le bas. Ok. J'enlève le flash, j'en ai plus besoin. Donc, n'oubliez pas, ici, il y a le flash. Là, je l'ai enlevé parce que simplement, sinon, j'ai pas de lumière. Il fait nuit, mes lumières dans ma chambre ont un problème, donc j'ai dû mettre mon flash de caméra. Donc, du coup, ici, il y a le flash, ok? Ensuite, ici, comme j'ai dit, il y a le micro, ou alors, le mieux, c'est le retour caméra. Et on vient me dire un retour caméra, alors je sais pas du tout le nom, je m'y connais pas trop en matériel de caméra. Tu connais pas trop et tu fais une vidéo sur ça. Oh oh, alerte au Google. Non, mais c'est juste simplement pour vous aider à pas vous dépenser tout votre argent, alors que vous pourrez en dépenser beaucoup moins, et au final, ça revient pratiquement au même. Donc du coup le retour caméra comme j'ai dit c'est ça, je vous le montre ici. Donc j'ai trouvé une astuce pour ça. Il faut une caméra qui fait wifi. Donc là je peux pas vous montrer parce que ma caméra je filme avec. Donc imaginons que c'est cette caméra là. Moi je possède la Lumix, je vous la mettre ici, ma caméra. Donc imaginons c'est celle-là que j'ai en main. D'accord? Il suffit juste de connecter avec votre téléphone avec l'application exprès. Voilà. Donc moi. Alors c'est vrai qu'un stabilisateur c'est assez cher. Mais ça change tout. Vraiment. J'ai eu du mal à l'acheter, mais au final, une fois que je l'ai acheté, je me suis rendu compte que vraiment, ça a changé tout. Ça fait beaucoup plus pro. À regarder, c'est vraiment plus agréable, vraiment. Je vous conseille.
Le minimum à avoir, le strict minimum à avoir pour moi, c'est un stabilisateur. Et même de nos jours maintenant, vous pouvez avoir un iPhone, parce que vu la qualité, par exemple un iPhone 8 Plus, ou bien même le 10, la qualité est incroyable, c'est de la 4K. Donc un petit stabilisateur avec un iPhone, ça suffit largement. Et aussi un micro, c'est très important le micro. Mais là par exemple, je suis en train de filmer avec le micro de mon iPhone 6S. Et le rendu, je trouve, est pas mal. Donc comme j'ai dit, je prends ça, mais ce n'est pas ma caméra. Ma caméra, c'est celle-là. Donc juste pour vous montrer. Alors bien sûr, ce stabilisateur-là, c'est fait pour les grosses caméras. C'est pas fait pour les iPhones. C'est fait, vous pouvez très bien le mettre, hein, mais c'est juste qu'il sera beaucoup trop lourd pour ce que c'est ridicule. Et en plus, plus cher. Donc vaut mieux adapter le stabilisateur avec ce que vous allez avoir au final, là-haut. Voilà, donc là, mon stabilisateur, hop, est branché. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez, je vais vous montrer. Bon, sur cet appareil-là, y a pas, c'est pas possible. Mais imaginons ici, vous avez votre micro. Donc là, maintenant, c'est mon micro. Et si je vais faire un plan comme ça, vous avez vu que mon micro et mon flash va être gêné ici. Donc, pas du tout pratique. Donc, c'est parti. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop, donc, vous enlevez le pied du stabilisateur. Et par pure chance, moi j'ai eu de la chance, après ça dépend avec les stabilisateurs bien sûr, j'ai réussi à trouver pile le diamètre de mon stabilisateur. Donc, j'ai vraiment eu une chance. Et donc, voilà au final le rendu. Donc là, vous avez votre retour de caméra en haut à droite, votre caméra au milieu, voilà, donc là, le stabilisateur et la caméra au milieu, et à gauche, votre flash. Vous inquiétez pas, je vais vous filmer ça avec mon iPhone, je vais vous montrer le rendu que ça donne. Moi, je trouve ça incroyable. Donc voilà, comme vous pouvez voir, l'installation. Donc ici, vous avez donc le stabilisateur au milieu, à droite, le retour d'écran, et à gauche, le flash. Le seul souci, je trouve, allez, je vais vous montrer. Donc ici, vous retrouvez avec le stabilisateur au milieu, à gauche le flash et à droite donc le retour de cam. Le seul problème, je trouve, que le retour de cam sur l'application Parasonic, c'est qu'au final, il me le met un peu petit, mais bon, franchement, c'est super pratique. Vous en déflashez, sinon ça va vous tuer les yeux. Donc vraiment. C'est super. Hop. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donnait. Moi franchement, je trouve ça vraiment largement suffisant. Même, je trouve ça même super. Plutôt que de mettre des sommes, vraiment. Après, ça dépend si vous savez vous débrouiller ou pas. Moi par exemple, j'ai su me débrouiller en faisant des choses comme ça. Vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous voulez, je vous détaille tout. De A à Z, comment on le fait. Déjà, le tuyau PVC, je vais vous montrer comment on fait. Si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires. Je sais pas si ça peut vous intéresser ou pas. Je vais vous montrer comment avoir cette petite pièce, les mettre cette petite pièce ici. Vraiment, je me suis vraiment débrouillé, j'ai pris des choses que j'avais d'ailleurs pour les mettre dedans. Et au final, bah, j'ai réussi à créer, je trouve, un bon petit truc. Alors, le prix du vrai. Donc si j'aurais dû investir dans du vrai matériel, j'en aurais pour, je sais pas, mais je vais calculer, je vais vous mettre ici. Donc j'en aurais pour cette somme-là normalement, avec tout. Donc bien sûr, le prix que je vous mets là, je ne compte pas ma caméra ni le stabilisateur. Parce que ça ne se compte pas. Et moi, mon prix à moi, on va compter, donc, comme je l'ai dit, 20 euros pour tous les tubes PVC. Bon, pour toutes les petites caisses qu'il y a, on va compter en tout 10 euros. Donc 30 euros, vraiment, on compte large. Et plus ce petit flash. Alors ce petit flash là, vous pourrez le retrouver sur Amazon. Je l'avais payé une dizaine d'euros à peine. Et il est super. Les piles s'utilisent vite, c'est avec des piles AA. Mais bon, il est vraiment fonctionnel. Donc 10 euros, donc là 30, donc 40 euros. Et ensuite, je compte pas le micro parce que je l'ai pas mis dedans. Je compte pas bien sûr mon téléphone parce que je pense que de nos jours tout le monde a un téléphone, sinon vous pourrez même pas regarder cette vidéo là. Vous pourrez très bien mettre ici une tablette, ça pourrait être encore mieux. Bien sûr, adapter le support pour une tablette serait super pour avoir votre caméra, pour avoir un meilleur retour caméra. Donc, ouais, donc moi je pense qu'il faudrait compter 40 euros pour ça au lieu de cette somme là. Je ne sais pas du tout, mais ça doit être vraiment cher. Voilà, donc bien sûr, moi par la suite, plus tard, j'aurai ce matériel là, c'est sûr, parce que je voudrais avoir mieux. Mais pour commencer, ça suffit largement. Vraiment, il n'y a pas besoin de mettre des milliers, des sommes. Franchement, ça suffit. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce genre de choses, sur les caméras, sur les objets. Je m'y connais pas trop, mais vous avez vu, j'arrive à me débrouiller à peu près. N'oubliez pas de me dire si vous voulez que je vous fasse le tube PVC. Je me répète, mais si ça vous intéresse, je vous le ferai avec plaisir. Voilà, donc n'oubliez pas sur ce, prenez soin de vous.